Bah, y'a personne? Si! Coucou Swan! Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Très bien! Avec moi, et Robin, on espère que vous allez bien aussi! Oui, on espère que tout le monde va bien! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un camion de pompiers avec des rails! Oui, effectivement! On va ouvrir le circuit géant de Brio World, c'est-à-dire le circuit de pompiers! Alors Brio, je pense que vous connaissez les copains et les copines. Ce sont des circuits en bois. Voilà, Swan nous montre l'envers de la boîte, donc on voit bien. C'est tout un monde, toute une ville avec des rails en bois. Donc c'est super solide hein, pour les papas et les mamans. C'est super bien fait pour les enfants, plein de couleurs, très attractif. Néo avait déjà un circuit comme celui-ci quand il était à peu près de ton âge. Et lui c'était un train en fait, avec plein de wagons. Et toi aujourd'hui c'est le camion de pompiers. Tu as aussi un hélicoptère de pompiers, tu as vu? Waouh! Et puis encore un petit train de pompiers on va dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle mais ça ressemble à ça. Est-ce que tu es prêt à découvrir tout ce qu'il y a dans ces boîtes? Prêt! On ouvre? Oui! Alors tu veux commencer par quelle boîte? Le gros. Évidemment. Le gros jusqu'au plus petit. D'accord, allez c'est parti pour l'énorme boîte. Allez c'est parti pour l'ouverture du gros carton. Les cailloux? Ah, les rochers! Pour faire tenir là! D'accord! J'aime bien les cailloux! Pour des rochers quand même! Hein. Waouh! Et il y a encore un truc! Waouh! Ah. Et un dernier truc encore! Ça y est, tu t'en sors? Oui, pas du tout! Petit cœur! Swan a décidé de commencer par cette boîte-là, donc la plus grande effectivement, avec le camion de pompier. Alors on nous dit sur la boîte que le camion de pompier, il fait aussi du bruit et de la lumière. On va voir tout ça. Alors est-ce que cette boîte correspond à ce que tu as sorti du carton? Apparemment oui. Oui. On voit des rails, on voit des petits trains, on voit un petit pont. Bon ben c'est parti, on ouvre tout et on construit? Oui! Allez on ouvre! Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Ah, c'est le camion de pompiers. Le voici. Il y a deux camions même? Oui. Waouh! Et voici le camion de pompiers. Donc ici, on a la partie où tout à l'heure, on ajoutera les piles pour obtenir le son et la lumière. Donc, vous voyez, hop, ça s'ouvre comme ceci. Et on a, grâce à un aimant, la remorque qui comprend la grande échelle. Et la petite lance ici à incendie. C'est très bien fait, hein, y a vraiment un sens du détail. Hein. Alors pendant ce temps-là, Swan est déjà en train d'assembler les rails. Tu commences ton circuit tout de suite, petit cœur? Oui. Alors vous voyez les copains et les copines, c'est très facile. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'emboîter les rails en bois, voilà. Et on obtient le circuit qu'on souhaite. On vous montrera tout à l'heure, je pense, soit sur la table, soit carrément au sol. Parce qu'on a beaucoup de rails et je pense que ça va faire un grand circuit. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? C'est super bien fait en fait. C'est quand tu peux passer, tu vas mettre ton ticket et après tu passes dans le garage. C'est comme le passage à niveau en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors comme le dit si bien Swan, effectivement, c'est un passage à niveau, je pense, voilà, avec des barrières qui permet de limiter un accès. On va voir où on l'installe dans le circuit celui-ci. Hein. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont les bonhommes et le feu et les sapins là. Oh, la petite décoration. On va voir ça de plus près. Et voilà le feu, comme nous dit si bien Swan. Voilà l'incendie que les pompiers vont devoir combattre. Il y a aussi des arbres, effectivement. Donc ça, c'est pour la décoration autour du circuit. Tout est en bois pour le décor. Hein. Donc évidemment, c'est très, très solide. C'est pour ça que le circuit est à partir de 3 ans. Il n'y a pas de petites pièces dangereuses ou autres, on peut jouer même avec les plus jeunes enfants, donc c'est super bien fait. Et voici les pompiers, les soldats du feu. Donc là on a deux petits bonhommes hein, qui sont articulés, hein. Les bras sont articulés, hop, on peut aussi les asseoir. Voilà, donc on va pouvoir les mettre dans les petits véhicules.
Antoine, il est à fond, hein, il continue de tout déballer. Ça va, mon cœur? Oui. On a un autre véhicule qui semble être un petit train, en fait, mais un train de marchandises. Il transporte quoi, Swan, ce petit train? Le bois. Mais oui, bien sûr, des rondins de bois. Je suis en train d'ouvrir l'énorme braille. D'accord, c'est chaud. T'as des grandes rails aussi, dis donc. Alors, on a aussi des rails comme ceci qui vont nous permettre de faire un deuxième niveau, en fait. Voilà, les véhicules vont pouvoir monter comme s'ils étaient sur un petit pont. On a aussi des rochers que Swan avait qualifiés de cailloux, hein, au début du déballage. Donc là encore, de la décoration. Et ça, c'est quoi, Swan? C'est la caverne. Mais oui, c'est là qu'on va pouvoir mettre le camion, voilà. Je te vois, Swan. C'est très très bien fait aussi, hein. Il y a des jolies couleurs, vraiment. Hop, il y a une barrière de protection aussi devant, voilà. Donc on va vous montrer, une fois installé dans le circuit, comment Swan s'en sert, hein, comment il va jouer avec tout ça. Et pour finir, on a aussi une plateforme, je pense que c'est ça, qu'on va pouvoir relier ici et là aux autres rails. Tu as tout sorti, mon cœur? Oui. Tout déballé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors? On fait les circuits? Ah bah oui, bien sûr. Allez, place à la construction du circuit. J'ai mis énorme rail, hein. C'est une route, en fait, c'est une route. Oui, c'est comme une route. Alors, on a réussi à faire un circuit? Oui. Oui. Alors, on manque un petit peu de place, hein, sur la table. Donc là, on va ouvrir les deux autres boîtes dans un petit instant. Et puis ensuite, je pense qu'on ira carrément jouer par terre. Comme ça, au moins, on pourra faire le circuit de la taille souhaitée. Alors, on a aussi actionné le petit camion de pompier. Je vous montre ça. Regardez. Hop, on appuie là. Ouais. Je te donne celui-là? Hey! Et il est où, le pompier? Faut le mettre dans son camion. Allez, on installe le pompier. Et c'est parti! Le petit train emmène son bois. Oh! Il y a du feu! Oh, comment il va faire alors? On appelle les pompiers! C'est bon, ils ont réussi? Oui. Waouh, bravo les pompiers. Et le train peut continuer? Oui. Allez, c'est bon. Il repart avec sa cargaison de bois. Super. Sur la caserne, il y a du feu. Oh, et comment ils vont faire les pompiers cette fois-ci? C'est lui. Il va monter. Il monte avec son échelle? Oui. Il a réussi? Oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le pompier? Le feu est sur le pont. Et comment ils vont faire alors? Ils auront besoin de l'hélicoptère. Et il est où l'hélicoptère? Ta boîte, il faut ouvrir la boîte. Ah bah oui, voilà, on n'a encore pas ouvert la boîte. Alors, on ouvre la boîte. T'es prêt pour l'ouverture de l'hélicoptère? Oui. C'est parti pour la découverte de l'hélicoptère. Les renforts. Hélicoptère. Avec l'hélicoptère, normalement, on a un petit pilote. Le voilà. Tu vas pouvoir l'installer. Swan installe le pilote. Toc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, l'hélico, maintenant? Prendre de l'eau et le jeter sur un feu. Alors, montre-nous ça. C'est bon? Oui. Ah, bravo l'hélicoptère. Et voilà les renforts hélicoptères. Donc vous voyez, à l'intérieur du cockpit, on a le pilote, qui est amovible aussi et entièrement articulé, comme pour les autres personnages, les autres pompiers. Et en dessous de l'hélicoptère, hop, on a un aimant, voilà, avec des réserves d'eau, a priori, qui vont permettre à cet hélicoptère de venir en aide aux pompiers du sol. C'est parti! Il y a un sanglier là maintenant! D'accord, il s'est déplacé. Il faut l'hélicoptère! D'accord. Mais il a oublié son eau sur le pont! Oh! Et comment il va faire? C'est eux qui vont le prendre! D'accord, travail d'équipe! Il récupère l'eau ici, d'accord.
mettre là. C'est parti. C'est bon, il y a éteint un incendie? Oui. Formidable. Il faut ouvrir la dernière boîte. La voici, la dernière boîte brillant. C'est de nouveau un camion de pompier, je pense. On voit une échelle, une lance à incendie. Et cette fois-ci, on a aussi une citerne, je pense, ici. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'eau dedans. Peut-être, on peut dire que c'est de l'eau. Hein. Ça va nous aider à éteindre les incendies. Ouverture de la dernière boîte. C'est... Oh wow. C'est joli, dis donc. Allez, on installe les renforts sur le circuit. Je crois qu'on va vraiment avoir besoin de place. Donc sur celui-ci, il y a un bouton jaune. Et quand on appuie dessus, voilà, on masque les aimants. Donc ça permet tout simplement de détacher la citerne, par exemple, ou l'autre wagon. Le feu est dans le sapin. Alors comment ils vont faire pour l'éteindre? C'est l'hélicoptère encore. Ah, alors montre-nous comment il fait l'hélicoptère. Il va prendre son eau. Mais en fait, il va faire comme ça là. D'accord. C'est bon, j'ai éteint le feu. On est sauvés. Ouais. Tu veux qu'on mette les rails par terre maintenant? Oui. Allez, on se déplace. Déménagement de notre circuit Brio. Ça y est, t'es installé dans ton circuit? Oui. Alors, on a rajouté quelques rails. Oui. Que Néo a eu la gentillesse de nous prêter. Alors, bien sûr, il ne joue plus avec, mais c'est rangé dans ses affaires quand même, dans les affaires qui sont au grenier. Vous vous souvenez, on était allé chercher des jouets. Et il y a également les rails du train avec lequel Néo jouait lorsqu'il était petit. Et donc, Néo a été très sympa, il nous a prêté des rails. Et du coup, on a pu agrandir le circuit. Et c'est reparti pour Swan. Là, à mon avis, il y en a pour un petit moment, hein. Et regarde, mais il y a le feu. Oh, comment tu vas faire alors? Bon, allez, je sais. L'hélicoptère va y mettre. T'as réussi à éteindre l'incendie? Oui. Oui. Le pont est sauvé. Maintenant, ils vont se détacher. Oui. Je crois que c'est reparti pour de nouvelles aventures. Alors les copains et les copines, je pense qu'on va laisser Swan avec son circuit, voilà. Swan, il est très content en tout cas de son circuit Brio. Visiblement, ça fait bien plaisir. Il passe sur le pont. D'accord, petit cœur. Alors Swan, c'était comment ce circuit Brio avec les pompiers, avec l'hélicoptère, avec la caserne? C'était... J'ai adoré, hein. Bon, ça t'a plu? Oui. Ah bah tant mieux, petit cœur. Oui, je pense que tu vas bien t'amuser, hein. Alors visiblement, le circuit Brio, ça plaît beaucoup à Swan. Alors effectivement, il y a plein d'autres possibilités. Il y a un village complet, enfin toute une ville même. Donc je pense qu'il y aura d'autres possibilités pour agrandir notre fameux circuit. Boing. Tu fais des accidents aussi? Oui. Bah remarque, t'as les pompiers, hein. Donc c'est bon, tu peux faire les accidents, il y a ce qu'il faut. Oh là là, sortie de rail! Qu'est-ce que tu as préféré parmi toutes ces boîtes alors? C'est ce qu'on est en train de faire. Avec tout le circuit? Oui. Ah d'accord. C'est vrai que ce qui est super sympa avec Brio, c'est qu'on peut rajouter des rails bien sûr, et puis aussi d'autres éléments, des petites maisons, d'autres parcours, des véhicules. Enfin, il y a plein de choses possibles et inimaginables. À la fin, ça forme toute une ville, hein. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de choix. Et plus on en ajoute, bah, plus l'enfant peut s'amuser, bien entendu, et s'inventer de nouvelles histoires. Oui. Alors, quelle est la boîte que vous avez préférée? Dites-nous dans les commentaires. Pensez au pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. On espère que vous avez aimé cette vidéo Brio. Si c'est le cas, pensez à la... Bravo petit cœur. On vous fait plein plein de gros bisous. Et on vous adore. Bye bye tout le monde, à très bientôt. Bye bye.
Mais sauf qu'il y a du feu. Oh, alors comment il va faire hein? Pimpon, pimpon. Attends. Mais je sais pas où va le pompier là. Ah oui, il va dans l'hélicoptère, bien sûr. Ah oui, bien sûr alors.